tirer, va tirer. Tu vas finir avec les crachats partout, partout. Que je crache encore. Donne-moi, je t'aime. Pardon, passe là-bas avec ton long gros ventre là. Comme si j'allais même d'abord t'aider. Travaille là-bas, madame. Ah, ma chérie, ce n'est que partie remise. Parce que tout ce que je suis en train de faire là, quand ce sera mon tour, tu vas aussi t'occuper de moi comme je suis en train de m'occuper de toi. Là. Takami, t'as quand même mal enceinte. Pas ça. Je te jure, j'entendais dire que les Bamilékés enceintaient mal, non? Le tout, si moi-même je confirme. Déjà, c'est que la grossesse est seulement longue. Je ne suis même pas encore à terre, mais regarde comment le ventre est long. Comment on peut mal enceinter sa propre femme comme ça? Sa propre femme? Hey! Tu voulais qu'il enceinte qui? Chieux? De venir prendre dans ma bouche. Et voilà même qui m'a enceinte. Il est là. Depuis 2 mois qu'il est au village. Je suis là, je gère la grossesse seule. Ma copine, calme-toi. Tu sais que tu es enceinte. Il ne faut pas faire les problèmes inutiles. Calme-toi. Je l'attends seulement ici. C'est à partir de minuit que j'aurai seulement envie de manger la chèvre. Qui tente de ne pas venir avec la chèvre ici? Peu importe, même s'il vient même avec la chèvre ou le porc. Ce qui n'est pas venu avec là, c'est ce que je vais vouloir. Et je vais vouloir manger le condré. Il va lire le. Les 2 mois qui passent là-bas, non. Il va venir, je vais rattraper tout ça. Maman, ma copine, toi tu es là, tu te plains des petits 2 mois que ton gars fait dehors. Moi alors, je vais dire quoi? Ha! Et ça que quand moi, il va tomber enceinte, mon gars, il va aller voir l'enfant quand j'aurai accouché l'enfant à 1 an. Il faut même d'abord qu'il trouve le temps pour t'enceinter. Hein, maman? Henri? Henri peut être l'homme le plus occupé de la terre. Mais quand il s'agit de la chose là, maman, même s'il a les dossiers comment au travail, même s'il a le travail comment, quand je débarque dans son bureau là, les 13h, je fais genre, je viens lui donner son déjeuner de l'après-midi. Mouf! On s'enferme là-bas, feu! Hey, mon Dieu, les bureaux de l'État. Tout ça devant la photo du père. Donc tu as la tête en bas, tu lèves les yeux comme ça, tu vois sa photo et ça ne te dit rien. Maman, on vit nos vies. Quand on va mourir, on va aller trouver le père d'en haut. Là, il va nous dire que, il va nous demander là-bas que, mes enfants, qu'est-ce que vous avez fait sur terre? On va lui dire que le père, on a fait des expériences, oh! On a fait des expériences. Nous, on vit nos meilleures vies, oh. Ouais! Bon, ma copine, qu'est-ce que je te fais à manger aujourd'hui? Tu es engagée. Je t'ai dit que c'est un investissement. Ce n'est que partie remise. Parce que quand moi, j'aurai mes 3 dans le ventre là, tu vas t'occuper de moi comme je suis en train de faire là. Tu vois quoi? En tout cas, je vais manger ce que tu vas préparer. D'accord. J'espère quand même qu'il y a quelque chose dans ton frigo, hein. Tu t'es levé jusqu'à te faire le coquiller. Okay, mon mari, tu penses qu'il est quelle heure? Tu as dormi. Dès que tu es arrivé du voyage, là, tu es en train seulement de te coucher. Tu as voyagé toute la nuit, tu n'as pas dormi dans le bus. Ah, un faux bus comme ça. Le chauffeur là, un faux chauffeur, je te dis. Il a passé toute la nuit à mettre de la musique religieuse. Le sommeil une fois parti. La musique religieuse t'empêche de dormir. Ah, si je me couche, je dors là et je me réveille seulement au paradis, tu vas dire quoi? Toi aussi. Sinon, tu as pu achever tout ce que tu avais programmé. Si c'est pour la redistribution des terres, je crois que c'est en bonne voie. Mais dire que tout achevé, on peut tout achever. Avec la multitude d'enfants qu'il avait là, il faudra faire des réunions et des réunions pour pouvoir trouver une solution. C'est quelqu'un qui a demandé à ton frère d'avoir 3 femmes. Tu as encore 3 femmes? Tu n'as pas vu l'autre fille qui est descendue avec l'enfant, un petit enfant comme ça là? Je vois. Ha! La fille brune qui se baladait partout dans la cour du deuil comme ça avait un enfant d'environ 10 ans. Je te dis. C'est son fils. Ça a parlé. Les gens ont parlé de ça partout dans la cour du deuil. Hey! Les hommes. Tu sais qu'elle est venue dans mon temps s'asseoir parce qu'elle lui a donné à manger. Il dit que c'est son enfant. C'est quand tu parles maintenant là que l'image de l'enfant là vient devant mon visage comme bang, une fois. Tu sais que l'enfant là ressemble à Martial plus qu'à tous les enfants que Martial a fait dedans, non? Mais je te dis que c'est sa photocopie exacte. Conforme, papa. Conforme. Hey.
Figure-toi que elle est venue à la réunion. Elle dit que ça fait 12 ans qu'elle avait Martial. Moi-même, son petit frère, je ne suis pas au courant. Hé, les hommes. Maman, quand tu es mariée, non, c'est quand ton mari meurt que tu connais son vrai visage. Parce que vous, les hommes, là, non. Pardon, ne me mélange pas sur ça. Jacques, tu lèves tes mains comme si tu voulais seulement te justifier. Si tu as fait ta part dehors, pardon, dis-moi. Parce que je ne veux même pas, moi, les choses de surprise que tu meurs. Je ne vais pas t'écaquer mes gros yeux comme ça, là. Mon épouse, ne dis pas ça. Hé, hey, c'est quoi? On était sur le problème de Martial. Tu as mis ça sur moi. Si Martial, qui avait 3 femmes, a fait un enfant dehors, c'est que toi qui n'as qu'une seule femme, tu as même 15 dehors. Ça fait 20 ans qu'on s'est mariés. Tu as vu mes yeux regarder une autre fille. Hé, hey, donc tu ne me connais pas bien. Ah, toutes les autres filles là à côté de moi, quand je les vois, c'est comme si c'était des garçons. Quand je vois une fille bien moulée là, pour moi c'est comme si elle a porté le maillot des lions. Moi je ne regarde rien sur ça. En dehors de me flatter là, tu peux encore faire quoi? Tu sais que je n'ai que Dieu que pour toi. Toi-même tu sais ça non? Vous avez programmé les funérailles de Martial pour quand? L'autre là c'est tabou. Je ne peux même pas te dire. Tu sais que je joue l'intérim. Donc cela veut dire qu'il faudrait qu'on ait carrément classé l'ensemble des dossiers pour que je puisse dire quelque chose dessus. Okay. Tu as fait le coquille avec quoi? La banane. La banane encore. C'est un bourratif en plus. Tu dois mettre la patate, ou en toi, trouve la patate ou le plantain pour moi. Tu laisses les autres dans les enfants. Moi, je ne veux pas manger ça. Très bon. Qu'est-ce qu'il y a même bon sur ça? Et bien raté le coquille aujourd'hui. Je t'assure. J'ai envoyé les enfants écrasés. La femme l'a mis l'eau comme s'il pleuvait dans sa machine. Oh. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bon. Ah, si ça t'a plu, je suis contente. Ok, je vais garder le plat. Ah, pardon. Dépose-la. Les enfants vont venir porter. Le ventre te fatigue, tu vas encore te fatiguer en allant garder le plat. Le père, là. Ou même. Il est arrivé ce matin, il s'est couché, il a téléchargé au moins 5 kilos de sommeil. Après, quand il s'est levé, il a pris ses pieds, il est parti. Il reste souvent sur place. En fait, je venais comme ça, je me disais que j'allais le trouver. Mais ça fait quand même 2 mois que Takam est au village. Et du coup, je m'inquiète déjà. Depuis que le deuil est fini, il ne rentre pas. C'est seulement le deuil de quoi? Inès. Est-ce que le deuil finit? Ton beau-père meurt, tu demandes que le deuil va finir quand? C'est ton ventre-là qui t'a sauvé, sinon tu es encore là-bas au village. Oh. Justement, quand je rentrais, tu m'as dit que non, il fallait que j'avance, qu'il avait quelques formalités traditionnelles à remplir. Du coup, depuis là, les formalités, là, ça ne finit pas. C'est seulement la tradition de quoi? Est-ce que la tradition est comme tu penses là? C'est-à-dire qu'on connaît quand ça commence, mais on ne connaît pas quand ça va finir. Donc ne sois pas inquiète, dès qu'il va finir avec les trucs traditionnels qu'il est en train de faire, il va rentrer. Sois pas inquiète. Ouais, ma, depuis que le deuil est fini, toi ton mari au moins, il part, il revient, il part, il revient. T'as comme depuis 2 mois, il ne revient pas. Je me disais que peut-être ça allait faire 2 ou 3 jours, il allait me rejoindre. Mais rien. Je suis quand même fatiguée du fait que tout le temps, s'il y a un truc, on m'exclut toujours. Que oh, la fille Bassa, on la met toujours de côté, on la met de côté. S'il y a un problème, il faut quand même me dire. C'est seulement la tradition de quoi? Et puis moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas assez intégré la culture de Takam. Quand je l'ai accepté avec tout, même la tradition. Comment est-ce que quelque chose peut se passer? Moi, je ne suis pas au courant. Je m'inquiète quand même. 2 mois. Elle a parlé parce qu'elle est fâchée. Tu attaches ta bouche sur quoi? Tu te fâches par rapport à quoi, Inès? Ne me stresse pas, l'enfant. Hein. Tu attaches ta femme, ta bouche sur quoi? Tu penses que si on t'avait mis de côté, c'est que tu peux venir ici, tu t'assois jusqu'à ce que je prends mon coquille, je te sers, tu manges. C'est que je te donne le bois, je te donne la mamie, je te dis, papa, le mongo, tu manges. Ah. Tu as dormi un jour sans manger parce qu'il ne t'a pas envoyé l'argent. Le bailleur te dérange. Il continue à s'occuper de toi, non? La jeunesse, tout ce que tu veux, c'est qu'il rentre, il vient se coucher sur le lit avec toi, parce que c'est ça qui te manque.
Pardon. Mets-moi ton inquiétude de côté. Souris. Je veux voir ton sourire. Voilà. Mon petit-fils. C'est à fort. Il donne les violents coups de poing. N'est-ce pas? Il va bien. Et je suis sûr que quand il va naître, il aura les cheveux et les oreilles de Takam. Et Kema, c'est quelle malédiction ça? Les cheveux de Takam sur mon enfant. Mieux qu'il n'ait même pas les cheveux. Pardon. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bonjour, tonton. Mélin, encore toi? C'est quoi ton problème? Mais, tonton, on n'avait pas fini la conversation au village, non? Je t'ai dit non au village, non. Je ne peux pas faire quelque chose qui aille à l'encontre des rites et traditions de chez nous. S'il te plaît, tonton, hein? Tu as encore la possibilité d'arrêter tout. Tant que les 9 semaines... Les 9 semaines de là, comme nous n'ont pas fini, tonton, tu peux encore récupérer ce qui me revient de droit, tu me donnes, tonton. Je mérite ça, non? Est-ce que, quand on arrêtait le successeur dans la cour du deuil, là, tu as visité ma main? Non, tonton. Ton problème est alors où? Je ne suis qu'un représentant. Cela veut dire que je ne peux pas aller à l'encontre des choses et des traditions de chez nous. Et à l'encontre de la volonté de mon frère. Tonton. Tonton, tu as le pouvoir de tout. Regarde, j'ai tout abandonné, tonton. Ça fait 2 ans que je suis parti de Douala pour le village. J'étais avec papa. Il dit que monte, je monte. Il dit que descends, je descends. Il dit que couche-toi, je me couche. Tu es sans ignorer que c'est moi qui portais le sac de papa. Même il y a des deuils. Le dernier deuil là où tu es venu, il n'était pas là. Il était malade. J'étais son représentant. J'étais assis sur sa chaise. Donc vraiment, aide-moi à récupérer ce qui me revient de droit. Qui t'a dit que ça te revenait droit? Qui t'a dit cela? Ah, tu crois que porter le sac de papa allait au deuil ou alors le représenter pendant une ou deux cérémonies, c'est suffisant pour être son successeur? Quand un papa accouche son successeur, il le ressent. On ne discute pas la succession, Mélin. Tu veux ce qui va prendre ta tête? Tonton. Donc c'est mon remerciement dans toute une communauté, dans une famille, même toi aussi tonton, c'est mon remerciement comme ça tonton. Moi qui ai tout sacrifié pour une famille, tout. Qui t'a demandé de te sacrifier? Qui t'a demandé de te sacrifier? Tu faisais la moto à Douala. Tu es rentré au village servir ton père. Continue tout simplement à servir. À servir papa comme tu l'as fait. À travers ton petit frère qui est devenu ton papa. Voilà tout ce qu'on attend de toi. Dans le cas contraire, ou tu le fais, ou alors tu rentres à Douala faire ta moto. Tonton, aide-moi, tonton. Mélin, fais attention. On ne discute pas la succession. Et surtout pas la succession d'un notable. Tu es ici, ton père vient de mourir. On est au village, on est en train de tout faire. Tu es en train de discuter la succession. Tu es ici en ville maintenant. Que qui est en train de suivre les tombes au village? J'en ai terminé. Tonton. Je t'ai dit, je n'ai pas le pouvoir de changer. Et même si j'avais, je ne peux pas changer ce qui a été dit. Tu parles, tonton. Mais là, je ne peux rien pour toi. Tonton! Je ne peux rien. Va, voilà. Voilà, va servir ton petit frère. Finalement, tu rentres quand? Bientôt, mon cœur. Bientôt. Tous les jours bientôt, depuis 2 mois bientôt. Je veux un jour. Je rentre bientôt, ouais. En fait, je t'ai dit que j'ai quelques obligations d'ordre familial encore à gérer ici, là. Mais dès que je rentre, je vais tout t'expliquer, t'inquiète pas. Qu'est-ce que toi tu veux venir m'expliquer si que tu ne peux pas m'expliquer au téléphone? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je rentre, je vais t'expliquer. Rassure-toi, je serai rentré dans maximum 1 semaine. Ou trop tard dans 1 semaine. Donc tu veux me dire que tu vas encore faire 1 semaine là-bas?
beaucoup. J'ai presque... Regarde, si ici vendredi, je ne suis pas encore rentré. Je viens te chercher. Ok, il n'y a pas de souci, tu viens pas me chercher. Je te promets que je suis rentré vendredi. Tu as intérêt. Je t'aime, mon gars. Bye. Ok. Toi, tu ne dis pas je t'aime à ton gars. La fesse devient bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me cache. Il y a un truc qui ne va pas. Inès, ça ne sert à rien de stresser pour des boutiques. Hein? Ne te mets pas dans cet état, tu es enceinte. Arrête de voir du noir où il y a du blanc. C'est comme s'il y a... J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il y a un truc qui se passe que je ne sais pas. J'ai peur. Je ne le reconnais même plus. Même quand on parle là au téléphone, on dirait qu'il y a des gens autour de lui qui lui disent quoi faire, quoi dire. Même son je t'aime même est froid. C'est seulement quoi qu'il fait là-bas. Je suis vraiment, si je n'étais pas enceinte, j'allais aller le chercher. Je dois seulement jeûner ou je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'il y a un truc qui se passe là-bas. Okay. Tu veux jeûner parce que ton gars te manque. Il ne faut pas m'affamer l'enfant pour rien. Pardon, attends, je te prends à manger. Je vais t'agresser avec tout à l'heure. Okay. C'est quoi ces comportements-là? Comment tu as maigri là-bas? C'était aussi deux mois intenses de travail, non? Tu voulais quoi? Tu devais maigrir, j'étais aussi en train de travailler, non? Un travail que tu as refusé de me dire. Tu vas encore me stresser. C'est quoi? Tu veux qu'il retourne au village? Non, 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 ça va, ça va. Sinon, ça s'est bien passé. Oui, oui. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Non. Tu m'as trop manqué. Je m'inquiétais même déjà pour toi. Je me disais que tu n'allais plus revenir. Désolé, mon cœur. Désolé si j'ai trop duré. Mais bon, okay. Je suis rentré. C'est le plus important. Le plus important, c'est que je sois là, non? Ok. Mange, ça va refroidir. Je prends la fourchette. Ça te plaît? C'est très bon. Donc, comme si tu ne savais pas, rester l'un de mes repas préférés. C'est ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Et lui, il va bien? Oui, il va bien. Il va bien. Tu me parlais des examens la dernière fois. Tu as fait tous les examens là? Oui, je les ai tous faits. Pourquoi? Mais sinon, le médecin a dit que si le col est en train de se refermer et que si ça se referme, je ne vais pas peut-être bien accoucher. Du coup, il faut essayer de l'élargir. Et tu sais que tu as laissé une route que tu n'as pas fini de bitumer, non? Ça fait 2 mois. Que tu essaies de faire quelque chose. Mange, non. Mais mange. Prends le gravier pour bien bitumer. Yes. Je suis désolé, mais pas ce soir, s'il te plaît. Une autre fois, peut-être, s'il te plaît. C'est quoi ça, à cause du voyage, là? Non, c'est... Je suis un peu fatigué, c'est tout, mais... Une autre fois, je t'en prie. Comment ça, une autre fois? Je ne t'ai pas manqué. Ça n'a rien à voir. Comme je t'ai dit, je suis fatigué, c'est tout.
Tu es sûr que tu ne prends rien? C'est bon, ma mère, c'est bon. C'est pas comme si je vais aller en route acheter ça. Il y a tout au frigo. Tu sais, j'étais moi au village. Je suis moi habitué au matango. Ok. L'enfant va bien. Mm-hmm, il va bien, il va bien. Il va bien. Oui. Tu es là. Tu t'es bien reposé. Un peu quand même. Désolée de t'avoir réveillé. Ah, c'est pas grave. Moi, je vais vous laisser. Je vais rester dans la chambre. Je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est clair que la fella ne t'intéresse pas. Vends-moi ça. Et il s'agit de vendre quoi concrètement? J'ai tout quitté ici en ville. Je suis allé au village. J'ai tout appris les rouages. Comment ça se passe? Comment me conduire? S'il te plaît, vends-moi ta place. Big, ça, ce sont des choses qui ne sont pas à mon niveau. Hein. Ça, c'est un niveau de conversation qui me dépasse. Je pense que tu dois avoir déjà la discussion là, même avec tonton. C'est pas avec moi. Avec qui? Donc, pour parler à mon petit frère, je vais d'abord parler à tonton. Tu t'entends parler? Hey, j'ai tout sacrifié pour cette famille. Tout sacrifié. Je t'ai lavé. Je t'ai nourri, toi. Aujourd'hui. Hey! C'est comme si tu comprends un peu mal les choses. Très honnêtement, on n'est plus les enfants. Ça, je ne vais pas te cacher que moi-même j'ai mes problèmes aujourd'hui. Tu me demandes de vendre un truc dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je vais vendre que je vends quoi? Non, mets-toi un peu à ma place. À un moment donné, il ne faut pas qu'on exagère. Moi, j'ai mes problèmes. Je ne veux pas davantage que d'avoir les soucis sur le plan traditionnel, que c'est monté, c'est descendu. Non, je ne veux même pas qu'on me stresse à ce niveau-là. Je gère mes problèmes comme je peux gérer. Dans notre village, dans notre famille, on sait très bien que si une personne devait aller au Lacap, c'est moi, pas toi, pas toi. Tu connais quoi? Moi, je voulais d'abord aller là-bas. Tu parles comme si moi j'avais prévu aller au Lacap. Moi, j'ai demandé à quelqu'un de m'amener là-bas. Ça n'est pas que le monde ne me mettait pas là-bas. C'est qu'elle a fait ça. C'est quoi, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Retourne dans la chambre. Comment ça, il n'y a pas de problème? Mais je vous entends crier. Voilà, Takam. Explique à ta femme comment tu es en train de mal me parler. Takam. Va dans la chambre! Ça ne peut pas se passer comme ça, là, je te dis. Ou c'est toi ou c'est moi. Un cadavre va tomber, je te dis. C'est quel enfant ça? J'aime bien même négocier, il ne veut pas. Je te dis. Ou c'est toi ou c'est moi. Oh, c'est quelle histoire ça? Je négocie, mais j'ai que pas moi, il ne veut pas me vendre. Ou c'est toi ou c'est moi. Ou c'est ton cadavre ou c'est moi, je te dis. C'est même quelle histoire ça? Tu es resté seulement dehors. Oui, tonton, c'est que je me sentais mieux ici, là. Il n'y a pas de souci. Mais tu as duré. Hein? J'étais sur le point de sortir. Désolé, c'est que comme j'avais quelques petits travaux à faire avant d'arriver là, c'est ça qui m'a fait un peu traîner. Désolé. Ok, je prends une chaise. On peut échanger pendant quelques minutes avant que je parte. Je t'ai fait appeler là, c'est parce que je voudrais savoir comment tu t'organises pour samedi. Samedi? Il y a quoi samedi? Il y a quoi comment? Tu es seulement surpris. Tu as oublié le deuil du notable Moudba. Ah. Je vais voir comment je vais envoyer deux ou trois casiers là-bas. Il y a des choses qu'on ne délègue pas.
Tu as désormais des responsabilités. Tu es une nouvelle personne chez nous. Tu es parmi les décideurs. Et un notable meurt, tu envoies 2 ou 3 casiers. Je te rappelle que personnellement, tu dois être là. Et c'est une obligation. J'ai compris, tonton. Je vais trouver le moyen d'aller là-bas. C'est pas seulement trouver le moyen. On t'attend là-bas. Tu dois t'organiser à être avec ton épouse. À y être avec ton épouse. Je vais discuter avec Inès si elle a un peu de temps pour m'accompagner. Quelle Inès? On la connaît où? Tu crois que ce qu'on faisait au village, on blaguait? Je parle de la femme avec qui tu étais au Lakam. C'est elle qui est ton épouse. Hein? Elle est mariée selon les rites et les coutumes de chez nous. C'est elle qu'on connaît. Nous ne connaissons pas Inès. Hein? Mais tonton, comment tu peux dire ça? Moi, je suis avec Inès depuis de nombreuses années déjà et elle est même enceinte. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Et puis quoi? Est-ce qu'on l'a empêché d'être la mère de ton enfant? Elle peut bien être la mère de ton enfant. Et si elle s'entête à être dans ta vie, elle va jouer le second rôle. Donc, ça signifie qu'elle passe en deuxième position. Ta femme, c'est celle avec qui tu es sorti de la camp. Vous vous êtes mariés selon les rites et les coutumes de chez nous. C'est elle qui est considérée. Tu es parmi les décideurs chez nous, il faut te rappeler cela. Tu es notable de 9. C'est vous qui prenez les décisions. Le chef m'a demandé de rappeler. Tu as 2 mois pour t'organiser et t'installer définitivement au village. Parce que pour gérer le village, on ne va pas rester en ville. Tu peux aller en ville et rentrer. Moi, tu dois t'organiser à t'installer définitivement au village. Quel que soit ce que celle-là représente dans ta vie, pardon, il faut déjà l'avertir. Parce que vraiment, si tu ne le dis pas maintenant, il sera trop tard. Parce que le moment, nous ne voulons pas avoir de surprises. J'espère que tu as compris. Je ne voudrais pas assister à un deuil. Si tu continues avec... Si tu t'entêtes seulement à rester en ville, n'oublie pas que c'est ton totem qu'on va tuer au champ. Et moi, je vais te pleurer et sortir sur ça. Donc, organise-toi à respecter les vices et les coutumes du village. Il est temps d'annoncer à celle-là. Nadège, comme tu es couché là-bas dedans, là, il menace de pleuvoir. Sors ramasser les habits. Je suis parti. Et ils disent quoi? Ah, il va bien. J'espère qu'ils ont fait tous les examens. Mm-hmm, il grandit bien. T'inquiète. Mm-hmm. C'est mon filleul. Il faut que quand il arrive au monde, là, il soit en forme. C'est comme ça. Jusqu'à tu as décidé que c'est ton filleul. La dernière fois que tu lui as rendu visite, c'était quand? Hé, c'est moi que tu dis ça. Ah, depuis que ton gars est rentré de son village, là, même le bip, tu me bip encore. Je sens que c'est parce qu'il n'est pas disponible. C'est que c'est lui que tu auras. C'est lui qui allait t'accompagner faire tes visites prénatales et non moi. Qu'est-ce que tu croyais? Tu me sers d'abord à quoi? Hé, il ne te sert à rien. Tiens ton sac. Pardon, arrête, non, tu ne vois pas mon état. Tu as la chance que c'est parce que tu portes mon fiel. Je sens comment vous êtes en train de compléter l'enfant là, là-bas. Iki, il y a la bouche. Vous avez ajouté le bras, le pied. Iki. Je suis sûre que si je te dis que depuis qu'il est rentré, on n'a rien fait, tu vas pas me croire. Comment ça? Comment ça? Comme ça. Quand je suis au salon, il est dans la chambre. Quand je vais dans la chambre, il est en train de travailler. Il est très occupé. Hey, que ta femme arrête ces histoires de villageois rétrogrades-les. Qui m'arrête ça? Qui lui a dit que c'est interdit de faire l'amour à une femme enceinte? Il paraît que c'est même là où il y a le bon mounyenge. Qui m'arrête ça, hein? En tout cas, qui m'arrête ça? Est-ce que c'est même ça le problème? J'ai l'impression que ta femme qui est venue là, on l'a changée. Les 2 mois qu'il a passé au village là, ce qui est venu là, ce n'est pas ta femme. Je ne le reconnais pas. Il est tout le temps fatigué. Si je veux faire quelque chose, non, je ne veux pas. Oh non, je suis fatiguée. Oh, je suis occupée. Finalement, pardon, changeons même de sujet parce que penser à ça encore, ça me stresse. Tu as raison. Vraiment, je ne suis pas là pour te stresser. Hey, tu portes mon fiel, donc. Mais il faudrait qu'il sache que faire l'amour à une femme enceinte, ce n'est pas dangereux et ce n'est pas interdit. Au contraire,
c'est très conseillé. Et vous aussi, les jeunes filles de maintenant là, hein, il faut arrêter de croiser les bras, de dormir. Prenez aussi les devants. Ce n'est pas toujours l'homme qui doit prendre les devants, non. Il faut aussi t'investir, hein. Entre temps, c'est moi que tu fais de jeune, puis toi tu es là très vieille. Moi, Bassa, qui lui a tout appris? Et qui? Ah. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Je demande, toi-même ta grossesse, c'est pour quand? Inès, pardon, il faut me laisser. Il faut me laisser. C'est quoi? Tu n'es pas fatiguée d'aller dans les bureaux des gens faire les choses devant la photo du père là? Inès, c'est moi que tu dis ça. C'est quand tu vas faire l'enfant qui va ressembler à la photo là que tu vas lire. Inès, c'est comment? Laisse-moi. C'est moi que tu dis ça. Pardon, ça va, je te laisse. Tu maîtrises. Je maîtrise même. Tu t'es enfin décidé à me dire ce qui se passe. Rien ne se passe. Si rien ne se passe, pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est quoi? C'est un problème maintenant si je te fais venir ici? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. C'est pas moi qui ai changé. Comme quoi j'aurais changé? Je suis peut-être la seule à l'avoir remarqué. Tu n'as plus rien à dire. Ou bien tu ne sais pas comment me dire que samedi tu vas rentrer au village. Merlin est passé la dernière fois quand tu n'étais pas là. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas de toi. Mon père était notable. Ça, je le sais déjà. Le jour de l'enterrement, quand on était dans la cour du deuil, en pleine danse traditionnelle, on m'a attrapé pour faire de moi le successeur. C'est comme ça qu'on m'a fait entrer au LACAM. Et on n'entre pas au LACAM seul. On doit entrer, à ce qui paraît, avec une femme qui n'est pas enceinte. Et au sortir de là, elle doit être enceinte. Je suis sorti de là avec de nouvelles responsabilités. C'est celle avec qui je suis sorti de là, qui est traditionnellement reconnue comme ma femme. Et ça me dérange un peu de te décevoir. Je sais qu'on avait les projets, je sais qu'on avait planifié pas mal de choses. Mais on ne pourra plus se marier régime monogamique. Vu que j'ai déjà une femme. Et même si on devait se marier, tu prendrais la place de la deuxième femme. Et à ce qui paraît, il faudrait que je m'installe au village.
Je suis désolé. Donc, j'ai pratiquement passé 9 semaines à m'inquiéter pour toi, à faire des prières pour toi. Neuf semaines pendant lesquelles, lorsque tu appelais, tu me nourrissais de mensonges. Quand bien même j'insistais, je demandais qu'est-ce qui se passe. Tu me disais non, ça va aller, je rentre bientôt. Neuf semaines. Et quand tu rentres, on ne peut pas te toucher. Parce que tu es déjà épuisé. Tu as passé 9 semaines à chercher un enfant que tu as déjà ici. Le mien, c'est pas un enfant, peut-être, c'est un jouet. Aujourd'hui, tu parles de nos projets au passé, des projets qu'on avait. On a passé 4 années ensemble. 2 ans de vie commune. 1 an à préparer le mariage. Aujourd'hui, tu me sortes la carte de la polygamie. Je dois dire quoi à mes parents? La dot que tu as versée chez nous. Ta famille me connaît. Et je me rappelle le jour du deuil, ta tante hypocrite de tante m'a demandé de rentrer, que tu allais me rejoindre. En fait, tout était déjà préparé. Vous m'avez mise à l'écart, comme d'habitude. Aujourd'hui, tu me parles d'être deuxième femme. La monogamie n'est plus possible. Dis-moi. Je fais comment? Comment je vais faire pour... Je quitte de première à deuxième. Jusqu'à tu vas aller t'installer au village. Oh. Tu t'entends parler? Et nous? Je suis désolé. Quoi? Tu es juste désolé. Comment je fais pour signer polygamie? Deuxième femme. Thank you.